Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie des vidéos sur le réglage du chevalet. La dernière fois, on a vu ensemble comment intervenir sur les pontets pour régler l'action des cordes, donc c'est-à-dire la hauteur des cordes par rapport aux manches, hein, qu'on règle en fonction du type de jeu qu'on souhaite avoir. Et je vous avais dit qu'on ferait également une vidéo sur le réglage de la justesse. Donc la justesse, on va la régler avec les vis qui se trouvent à l'arrière du chevalet. Je vais vous mettre quelques petites incrustations pour vous aider à bien comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'idée, c'est de faire en sorte que ma guitare soit juste. Elle est juste au minimum lorsque je pince une corde, comme ici un ré. Je dois retrouver un ré en 12e case. Donc on va utiliser deux notions qui sont la notion de diapason. Le diapason, c'est en fait très simple, c'est la longueur vibrante de la corde, donc qui se trouve entre le chevalet et le sillet. Et au milieu, en 12e case, on a ce qu'on appelle l'octave. Alors l'octave, c'est quoi? C'est la même note, mais plus haut. Donc là, on est sur un ré, mais si on part pour faire simple, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là on arrive plus haut, donc si c'était un do, mais bon là on fait avec un ré, donc c'est la même note plus haute sur la même corde, ré et ré en 12e. Une fois qu'on a ça, notre guitare elle est à peu près juste. Alors je précise que pour pouvoir régler la justesse d'une guitare, il faut avoir une guitare qui soit, ou une cigar box en l'occurrence, il faut quand même un instrument qui soit bien sûr fretté et fretté correctement, précisément, ce qui est le cas ici. Et avec un chevalet qui est réglable, parce qu'avec un chevalet fixe, un chevalet flottant, ou comme on trouve parfois des boulons, des choses comme ça, ou des clés sur la cigar box, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'obtenir une guitare qui soit juste. Et quand elle est vraiment pas juste et qu'il n'y a pas un diapason qui a été correctement choisi, et ben malgré tous vos efforts, ce sera jamais juste et vous pouvez améliorer votre technique autant que vous voulez. Ce sera toujours un peu frustrant parce que ce sera jamais complètement juste. On va regarder comment régler justement la justesse sur cette guitare. Donc ici, c'est avant l'intervention. On prend par exemple l'accord de ré. Donc là, je l'ai accordé. Et quand je vais en 12e case, on voit que je suis un petit peu haut. Donc je vais intervenir sur le chevalet pour le régler, pour obtenir la bonne note à l'octave. Donc c'est ici que je vais intervenir. J'étais un tout petit peu haut, donc il faut que j'allonge très légèrement. Donc je vais visser pour allonger très légèrement. Alors là, on ne le voit pas forcément beaucoup. Et on va voir quel résultat ça donne. Donc le réglage est fait. En 12e case, j'ai mon ré. Et à vide, j'ai mon ré. Donc ma guitare est juste. Avec les petits schémas que je vous ai ajoutés dans la vidéo, j'espère que pour vous, cette notion est maintenant tout à fait claire et que vous allez pouvoir régler parfaitement votre cigar box. Écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et puis bien sûr abonnez-vous. Je prépare d'autres vidéos avec de la technique mais aussi de la musique. Je vais vous apprendre à nouveau quelques morceaux. Et puis en attendant, je vous dis bon blues et à bientôt. Salut!